Coucou les amis, salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette d'aujourd'hui, je vous présente comment je fais mes pastels farcis aux sardines. Donc, pour la recette, j'aurai besoin de 250 g de farine, 100 g de beurre, 70 ml de lait, un œuf, du sel, du poivre, de l'ail, du gingembre. Et pour la farce, j'ai pris 2 boîtes de sardines. Un oignon violet, une petite pâte de piment facultatif, donc c'est pas, et puis l'huile pour la friture. C'est parti pour la réalisation de la pâte. Donc dans le cuve de mon batteur, je rajoute la farine, le lait, le beurre, l'œuf, une pincée de sel, une pincée de poivre. Je vais râper gingembre et ail pour ajouter. Je mélange le tout au robot. La texture de ma pâte, je vais laisser reposer pendant 10 minutes. Le temps pour moi de finir avec la farce. Je vais renverser mes sardines dans ce bol avec les oignons ciselés, du sel, du poivre et un peu de piment. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, hein, ce qui vous fait plaisir. Voici la farce qui est prête. Ok, donc ici on a notre pâte, on a notre farce, on a un rouleau. On travaille la pâte, former les cercles. Donc, les amis, je prends une petite pâte et puis je vais étaler. Ben là, ça dépend de vous. Si vous voulez plus croustillant, faites plus fin. Si vous les voulez un peu épais, vous pouvez les faire plus épais aussi. Yaya. Puis on vient rajouter la face à l'intérieur. Puis on referme la pâte sur elle-même. On vient l'attacher avec une fourchette. Yaya, quitte-la s'il te plaît. Voici. Je vais procéder ainsi jusqu'à l'épuisement de la pâte. Voici la forme de mes pastels. J'ai mis l'huile à chauffer et je vais les frire à petit feu. Ah oui, elle est trop chaude. Comme ça. Ceux-ci sont prêts. Okay.
sont prêts. Ouais, comme mes pastels sont jolis à voir. Bien propre. C'est mon dernier gros ici. Ah, enfin, j'ai fini. Wow. Ok, les amis, voici le résultat de mes pastels. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Je vous dis bye bye, à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye. Dédicace spéciale à Ketia Bella. Ketia Bella, ma chérie, c'est pour toi. 1, 2, 3, go! Oh my gosh. Ah. Le goût of that. Wow. Bye bye.